Les joueurs qui découvrent un nouveau championnat à l'occasion de cette première journée. Alors c'est quoi l'objectif dans ces cas-là? Le premier objectif, à mon sens, c'est de ne pas se sous-estimer en regardant jouer l'adversaire. Ils ont acquis la montée au terme d'une belle saison. On sait que leur place est ici. C'est à eux de croire en leur chance. Voici les joueurs retenus par l'entraîneur de Liverpool pour démarrer cette rencontre. L'entraîneur a opté pour un Wijnaldum. Ah, il n'a pas réussi à la rabattre. Non, il a mal jugé la trajectoire, sinon il était plutôt bien placé. Nainggolan. Edin Dzeko. Aussi. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Strootman. Ah oui, ah, il va pouvoir marquer peut-être Nainggolan. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Ah ouais, ce but marqué à bout portant. C'est plus dur de le rater quand même. Il s'avance vers la surface. Allez, dans le couloir. Oui, attention. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Ah, c'est dégagement qui va profiter à l'adversaire. Il y a déjà un coup franc dans ce match. Allez, un carton jaune. Ça va le calmer et ça va surtout lui poser des petits problèmes jusqu'à la fin du match, hein, maintenant. Allez. Attention, le danger pour Dzeko. Et le but d'Edin Dzeko. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Roberto Firmino. Edin Dzeko. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Attention à la frappe. Oh, la barre, attention, c'est pas fini. Oxlade-Chamberlain. Mohamed Salah. Roberto Firmino. Ouais, bon tac, il lui a pris le ballon. Roberto Firmino. Et c'est Liverpool qui marque. Il mérite toute la finesse dans le dernier geste. Oui, il a choisi de piquer son ballon alors que le gardien n'avait pas du tout anticipé. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, la frappe. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Strootman. Anderson. Oxlade-Chamberlain. On va peut-être assister à une contre-attaque. Oh, la mauvaise passe, il n'a pas regardé où il la mettait. Wijnaldum. Voilà, passe complètement manqué, c'est cadeau. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Oh là, pas de risque, hein. il faut qu'il dégage, c'est risqué. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Oh, cette tête, qu'est-ce que c'est mal exploité. Ouais, la trajectoire est mal jugée, le ballon est mal pris, ça lui échappe. Tout est foiré. Diego Perotti, peut-être une attaque intéressante pour la Roma.
Et le duel remporté dans sa surface. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Centre tendu. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Ouais, cette fois, il ne trompera pas le gardien. C'est un bon arrêt à mettre à son actif. Kolarov. Edin Dzeko. Ah oui, c'est bien fait ça. Ah, il va pouvoir marquer peut-être Naïgolan. Et le but. Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Il y a pas mal de monde pour le presser. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée. Un grand soulagement du gardien. De Rossi. Ben, l'intervention, changement de possession. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Non, elle est interceptée cette passe. Les 30 derniers mètres. Elle la voilà la frappe. C'est le défenseur qui touche le ballon en dernier. Corner donc. Anderson qui va. Un arrêt pas facile pour le gardien sur cette tête. Ouais, bien joué de sa part. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. La contre-attaque qui se développe petit à petit. Oui, il a du soutien. Oh, il a passé son adversaire direct. Ah, il va pouvoir marquer peut-être Naïgolan. Eh oui, il marque. Et c'est son deuxième but personnel dans ce match. Parce qu'il va faire un triplé. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il cherche la solution. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Ah, pas facile pour le gardien, mais il s'est interposé. Oui, il grand jeu sur cette tête. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Peut-être une attaque intéressante pour la Roma. Ah, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Et l'arbitre. Le match qui reprend à l'instant à Anfield, c'est la seconde période. Un bon ballon d'attaque là pour l'AS Romain. Oh, attention, ça peut coûter cher cette erreur. Le Rossi. Trottmann, elle était bien placée pour intercepter cette passe. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Voilà, pour tout, pourquoi pas. Ah, trop mal dosé cette passe pour être efficace. Ouais, il repousse, ça joue. Avec un tir. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Et le défenseur qui sauve sur l'équipe. Moi, j'ai cru qu'il y avait double. Westrom qui bénéficie d'un coup franc pour cette faute. Allison. De Rossi. Ah, Diane N'Golan. Anderson. Il a signé tout simplement une première période de rêve. On ne peut pas faire mieux, Pierre. C'est un doublé qui a eu son importance. Il prend sa chance.
Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Les 30 derniers mètres. Une frappe lointaine, on ne sait jamais. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, hein, parce que le jeu, c'était pas là. Golan. Oh, un joli coup d'œil de Firmino, belle passe en profondeur. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Diego Perotti. La remise directe, c'est bien vu. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On s'approche de la zone de vérité. Il progresse. Anderson. Il récupère le ballon sur cette interception. Ouais. Attention, le danger pour Dzeko. Non, elle est interceptée cette passe. Ouais, bien joué la remise. Anderson. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. L'attaquant qui n'a pas eu le temps de crocheter le gardien. Hein. Oui, il a fait le choix de sortir très vite. C'est parfait. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ah, il dégage ce ballon. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Edin Dzeko. Diego Perotti. Attention, il n'y a plus que le gardien. Ah, la défense qui a du mal. Oh, il avait son temps, il avait tout son temps sur cette occasion. Il a fait n'importe quoi. Il a peut-être eu peur du gardien, je sais pas. C'est dur à analyser, hein, loupé à ce niveau-là. Ah, bonne intervention décisive du défenseur sur cette action. Allez, dans le couloir. Ah, il avait son petit coup, le défenseur. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Edin Dzeko. Ah, il va pouvoir marquer peut-être Naïgolan. Ouais, le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger. Ce sont les Romains qui vont avoir la touche. Kolarov. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Et là, voilà la frappe. Et le ballon bloqué par le gardien. Et ce ballon qui trouve finalement Daniele De Rossi. Il gagne du terrain. Un arrêt, enfin. Enfin, un petit frisson là chez les supporters. Ah, ils en viennent à douter sur chaque attaque pratiquement. Diego Perotti. Ah non, pas là. Non, le ballon est perdu. Oxlade-Chamberlain. Roberto Firmino. Le ballon pour les Romains. Ah, un bon ballon d'attaque. Ben-Golan. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. Sadio Mané. Ouais, impeccable ce tacle, ce fin de touche. Ah, la touche est ratée, et le ballon est perdu. Et la voie est assez libre là pour la Roma. Allez, après tout pourquoi pas. Ah oui, attention. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Allez, c'est le moment de faire parler le jeu de tête. Un corner qui est joué court. Oh, il a du soutien. Il choisit la frappe. Roberto Firmino. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ouais, ça peut faire mal ça. Oh, Firmino, très bonne position. Bon, ça ne change pas grand-chose. Mais bon, c'est toujours ça. On voit cette frappe tout en finesse, au ralenti. Superbe conclusion, vraiment. Ah, c'est bien simple, tout y est, tout y est. La vista, la lucidité, le sang-froid, l'application. C'est le geste parfait. 4 buts à 2, nouvelle évolution du score, on se régale. Il passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Allez, il est passé, ça va être dangereux. Oh là là, l'occasion. Ils ont retrouvé l'espoir, bien entendu. Ils ne sont plus qu'à un but du match nul. Alors on voit ce but et qui leur permet donc de réduire l'écart. Et qui sait,
Beaucoup de temps à jouer, mais bon, après, il n'y a plus qu'un but de retard. Hein. Ah, c'est pas un match pour les gardiens aujourd'hui. Hein. Il ne reste plus que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Pellegrini. Un bon ballon d'attaque là, pour l'AS Roma. Hinder. Virgil van Dijk. Ah oui, c'est bien fait ça. Ah non, l'action ne donne rien. Peut-être l'égalisation. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Edin Dzeko. Peut-être une attaque intéressante pour la Roma. Il ne reste plus grand-chose à mon chrono. S'il marque sur ce corner, la cause sera entendue. En deux temps, peut-être ce corner. Voilà, c'est terminé. Cette équipe qui termine la rencontre sans prendre de points, c'est dur. Il va falloir rebondir assez vite maintenant. I'm never sad.